Et puis bah on va faire du Salarié, Breath of hein. the Wild. Retour, eh bien. Bah oui. D'ailleurs salut le chat. Donc du coup ça va être Bonjour le Breath of the Wild Any% que je vais runner, je serai accompagné de Loose. J'avais proposé également un run Old Dungeon que je trouve personnellement plus intéressante. Mais Any% a quand même pas mal de trucs sympas dedans et est très très court en termes de format. D'ailleurs c'est un des Zelda le plus court parmi les 3D. Vu qu'il n'y a que Ocarina of Time qui est plus rapide. Mais là, c'est un cas particulier parce que c'est un jeu qui a été prévu pour être aussi court. Bon, même si. Petit mot avant de commencer. Même si. Ils avaient dit que, genre, on pouvait finir pendant qu'ils présentaient encore le jeu à l'époque. En 15 minutes, bah non. Même si, avec le world record à Eh ouais, non, quand 39,57. même. On peut. On peut quand même dire que c'est très très court. Voilà. Allez, sans plus tarder, j'ai lancé. 3, 2, 1. Petite précision, la run est sans Amiibo. Et moi, bon bah, comme j'ai le stream en décalé, je vais juste, je vais pas pouvoir commenter ce qui se passe précisément à l'écran. Je vais revenir juste un peu sur les grandes lignes. J'ai augmenté un Donc, peu le son de Loose. ah, on m'entend. Ou alors après, c'est sûr que là, je Est-ce peux que pas c'est régler de mieux mon là? côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le chat nous le dira. En attendant, je vais commencer, Ouais, enfin, parler vite fait du jeu quand même. Donc, le jeu est sorti en 2017. Il a déjà reçu des mises à jour, mais dans les grandes lignes, il est un peu. Enfin, la run Any% a assez peu bougé depuis que le jeu est sorti. Il y a eu des petites améliorations, notamment le fait de choisir ou non d'utiliser des amiibos, comment faire pour ne pas perdre trop de temps si jamais on n'utilise pas les amiibos, parce que c'est quand même un peu plus rapide, mais il faut les avoir. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de les utiliser. Et le but, ben, on va en gros finir les épreuves du plateau, le foncer le plus vite possible au château et taper sur le boss final. Donc, si jamais vous n'avez pas fait le jeu, il y a du spoil, mais du spoil de gameplay, pas tellement du spoil de scénario, parce que Oui, pour une bon, fois, il y a du à part scénario le dans ce Zelda. boss, les derniers boss. Alors moi, je Voilà. suis sur Switch, Alors, hein. effectivement, la run est faite sur Switch, bon, par commodité pour le coup. Alors, justement, je vais te corriger sur ce point-là, puisque en fait, les runners de Old Dungeon sont sur Switch et runners de 10% sur Wii U. Voilà. Je crois C'est qu'il y la a surtout petite un ou deux subtilité. loadings qui sont un peu violents sur Any%, Ah et que oui. la Wii a un peu mieux à de un peu moins mal un peu moins de mal Exact. à encaisser. Bah dis-toi que moi, Navisai, je fais plus du Old Dungeon que du Any%. Avant, j'ai commencé avec le Any%, contrairement à beaucoup de runners français qui ont préféré commencer avec du Old Dungeon. Et moi, j'ai préféré le Any%. Parce que c'est une catégorie courte et au moins, si j'avais pas le temps de faire un Old Dungeon, et ben, je pouvais faire du Any%. Même si en ce moment, franchement, j'ai pas trop envie de faire du speedrun en ce moment, mais bon, voilà. Pour occasion, je me suis remis un petit peu à en refaire. Et donc le premier trick qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle du whistle run ou whistle sprint. Donc le principe, c'est que eh bien, le jeu a une animation de quand on siffle qui est buggée, tout simplement. Et si on... Oula. C'était mon téléphone. C'était ton téléphone. Désolé Oh, pour c'est vos dans le thème oreilles. au moins. Ça vous a réveillé, c'est bien. C'est ça. Donc le principe du whistle run, c'est que si vous essayez de siffler tout en courant, c'est-à-dire qu'en fait vous allez devoir maintenir le, alors c'est le bouton, faut maintenir le bouton de sifflement et bourriner la touche de sprint, eh bien vous allez en fait courir à peu près à la même vitesse, un petit peu en dessous, mais à peu près à la même vitesse que si vous sprintez. Par contre, vous n'utilisez pas la jauge de stamina, d'endurance, ce qui évidemment est complètement craqué. Bah oui, bon, par contre, ça peut. Oh, quoique, ça peut même être utilisé sur les montagnes pour monter. Mais on verra ça Ouais. un petit peu plus tard. Et encore, c'est pas possible de le faire sur les montagnes qui sont trop escarpées. Je pense que c'est le mot, je me souviens plus. Ouais. Bafan m'avait parlé de 60 degrés pour les pentes. J'ai pas le chiffre précis interne au jeu, mais je lui fais confiance. Disons 60 pour Ouais, on toi. va dire en gros c'est une pente, Tu vas récupérer. voilà,
une bonne pente. Donc tu as récupéré. Oui, faut pas que je suppose que ce qui est à l'écran, c'est ce qui est. Parce qu'il y a un décalage. Moi, ce oui. que je vois à l'écran. Donc du coup, bah moi, j'ai les récupéré gens le scarabée au lame. moment où je... Scarabée et lame Voilà. qui me permettra de faire une potion magique plus tard, qui sera très très utile à la fin. Un élixir plus 3 d'attaque. Et après la durée, c'est un peu YOLO. Si j'ai de la chance ou non. Sachant qu'en général, ça suffit largement. Ça dure à peu près 5 minutes, 5-6 Alors, minutes en si t'as de général. la chance, c'est du 11 minutes. Ah oui. Mais 5-6 minutes, c'est suffisant en général, c'est déjà bien. Et donc tu as récupéré en vrac un scarabée lame, une hache. Donc on rappelle qu'il y a trois catégories d'armes dans ce jeu. Il y a les armes légères, les armes lourdes et les armes longues. La hache fait partie des armes lourdes et les armes lourdes ont pour avantage que quand vous chargez un coup, bon déjà vous allez charger le coup qui est un coup puissant, mais en plus Link va tournoyer sur lui-même et du coup ben ça permet pendant qu'il tournoie de faire des dégâts. Et tu récupères également une des herbes d'Hyrule. Au passage, le jeu est en français, c'est pas juste parce qu'on est Cocorico, c'est une des langues les plus rapides. Tu pourrais runner en allemand, mais pour ça, il Oui, faudrait mettre ton mais Switch en y a allemand. pas trop de différence en soi. Ouais. Disons que c'est les langues les plus rapides, c'est chouette. C'est surtout sur les fichiers audio, si je dis pas de bêtises, que ça fait une Oui, différence. en fait, oui, c'est plus sur les fichiers audio que les fichiers texte. Et ça, c'est assez marrant, puisque rappelons-le que c'est le premier Zelda avec un voice acting qui, de plus, est vraiment bon, je trouve. Ouais, il est cool, la VF est pas mal. Bon, j'ai pas aimé, j'ai détesté le personnage de Revali, mais d'un autre côté, il est fait Ah, pour être mais oui, mais détesté, pers donc peut-être mais oui, que c'était mais un bon moi non plus, je doublage. l'aurais pas. Un modèle. Ah oui, tu es nul, là. En fait, c'est sa voix qui m'énerve. Ouais, sa voix, elle est parfaitement détestable, mais Et ça le colle problème, très c'est que c'est bien. un doubleur que je. Comment... Ouais, ça colle bien, mais c'est un doubleur que j'aime pas beaucoup. Ah, je ne Mais sais bon, pas, c'est de la vie personnelle. c'est le doubleur de qui, Mais du coup, c'est vrai. par hasard. Je sais plus. J'ai plus les noms, mais j'étais pas méga. Enfin, c'est un doubleur qu'on entend à pas mal d'endroits. Alors, Jojo, je vais Dans le expliquer chat. comment faire justement en sautant de la tour, comment le faire. Et oui, soyez Et là voilà, c'est pour Hervé Adibou 2, grand jeu, très très bon jeu. Gobet. Et j'y joue avant, c'est un bon jeu. Surtout quand on fait le gâteau. Et qu'il y a le monstre après qu'il le mange, et puis. Donc Voilà. le Fall Damage Cancel, le principe, vous jetez une arme, vous la déséquipez, ça, c'est prioritaire sur l'animation de chute et vous prenez pas de dégâts. Après, dans l'exécution, il faut le réussir, mais ça, je sais pas si tu l'as réussi ou pas, Bon, non, ou mais autre. pas encore. Là, je suis encore au cutscene. Là, j'ai vite fait expliquer pendant que je le D'accord. fais. Hop, j'appuie sur R, je relâche, hop, bouclier ou autre. Là, j'explique un petit peu. Voilà. Faut déséquiper. On change, on déséquipe, et moi, j'ai le temps de rééquiper. En fait, j'ai fait vraiment vite la gâchette R, puis le menu avec le bouclier, puis j'ai rééquipé. Afin de gagner un peu de temps. Bon, alors, j'en perds un peu pour l'explication, mais bon. Alors, on m'a posé la question. Autant expliquer comment le faire. Mais c'est vrai que ça demande L'idée un petit étant peu de que, en practice. fait, l'animation de déséquiper la hache est priorité à ce moment-là est prioritaire sur tout dommage, en fait. C'est vraiment des frames d'invulnérabilité. Et c'est réussi du premier coup, d'ailleurs, bien joué. D'ailleurs, à savoir que il me semble que c'est Bafan qui a découvert ce trick. Ah bon? Ouais, il me semble. Je suis D'accord. quasi Bon, sûr. après. Ça sert à rien une fois qu'on a récupéré la paravoile, mais Non, sur le mais plateau, comme on n'a pas la paravoile, c'est très utile, du coup. sur le plateau, c'est utile quoi. Oui, alors donc le doubleur de Revali, puisqu'on est dans les trivia nuls, c'est Hervé Grulle en français, et il a notamment doublé le personnage d'Anarchy dans Batman Origins, et je supportais pas ce personnage, du coup ça m'a fait un peu mal physiquement. Il fait aussi Silver the Hedgehog dans Sonic Ah, Generations. Cass, tu veux Pas dire. Sonic 2006. Ok, très bon choix. Alors pour moi le meilleur personnage c'est Mipha, le prodige de l'eau. Et Sidon, évidemment. Sidon, bien sûr, ouais. Et donc on va aller faire le premier temple. Le premier temple est un donjon. Oui, non, attends. Non, c'est C'est pas donjon, sanctuaire. c'est sanctuaire, Shrine voilà. sanctuaire. Le premier sanctuaire. Voilà, le premier sanctuaire est imposé. On doit aller faire Magnésis, qui va donc. Donc, on est dans Zelda.
On est bien dans un Zelda, on a les objets qui nous permettent de faire des trucs, mais le plot twist, c'est qu'on nous les file tous dès le début. Dans le tuto, en fait, bon, il y aura une petite mise à jour plus loin dans le jeu qu'on verra pas en hyper simple, mais une petite mise à jour un peu plus loin. Mais l'entier des objets principaux est donné dans le tuto. Voilà. Alors D'ailleurs, voilà, Magnésis. du coup, à savoir qu'on peut inverser le Magnesis Trial et le Bomb Trial si on veut gagner plus de temps in-game time. Mais au final, ça ne gagne pas plus de temps que ça, c'est à peu près égal. Ah, on peut aller faire les bombes en premier? Oui, de toute façon, D'accord. je rappelle qu'on peut, dans ce jeu, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Hein. Mais il me semblait que Magnésis était imposé en premier, enfin Polaris en français. Bon, peut-être que je me trompe, mais il me semblait qu'on devait aller le faire en premier. Peut-être c'est tellement suggéré que. Donc là, on va pouvoir avoir une deuxième technique. Justement, avec le bouclier, hop, on saute. Comme si on voulait faire du snowboard. Et en fait, on va le déséquiper juste Voilà. avant de réatterir. Comme ça, on n'abîme pas Un le shield bouclier. jump, c'est Technique une assez classe, mécanique je trouve, en prévue plus. par le jeu. Ouais, c'est super classe, parce qu'on fait un petit saut périlleux. C'est une mécanique qui est prévue par le jeu, en fait, on est censé pouvoir surfer avec le bouclier. D'ailleurs, on le verra un peu plus loin, le surf, mais bah, du coup, le Link fait une petite animation, et il se trouve que cette animation nous offre une allonge bienvenue. Et c'est assez marrant parce que dans ce jeu, tu n'as. C'est. T'as pas de. De. Pas de cheat. De glitch. De bonne façon. Ah ouais. Bon, si quand même, le damage cancel, c'est clairement un glitch. Il n'y a pas des masses de glitch. Par contre, ce qui est assez cool, c'est que. Parce que il n'y a pas de bonne façon canonique de faire le. Oui, j'ai une connexion en De bonne carton. façon canonique. Seulement, ça tenait bien. Curieux. Ça va peut-être être mieux là. Et donc il n'y a pas de bonne façon canonique de résoudre les énigmes dans le jeu. On est obligé de le faire. Enfin, on peut le faire vraiment de la façon souhaitée. Et si ça passe, ben c'est bon. Alors ça a toujours été un peu le cas, puisque dans les speedruns, on a toujours des façons un peu détournées de résoudre les énigmes, mais là c'est vraiment prévu dans le jeu. Il y a plus ou moins un design de résolution de référence, Ça mais devrait il être est très mieux. large, il laisse beaucoup de place à l'interprétation, à l'innovation. Et ça, c'est vraiment très chouette. Alors là, tu vas faire quoi? Tu vas faire bombe, du coup? Oui, et donc vous l'avez vu, j'ai Ok. sauté justement exprès pour ne pas voir l'animation où Link ouvre la tablette en gros. Donc les bombes qui ont un design carré et un design, enfin un design cubique et un design sphérique, tout simplement pour nous permettre de les utiliser à notre convenance en fonction des situations. Un petit avantage au début du jeu et qui a sa petite importance dans le speedrun, c'est que les deux ont un cooldown différent. Bien joué 2 fois de suite. Ouais, bon, quand tu sais le faire, en vrai, c'est très facile à faire. Même si ça arrive de rater de temps en temps. Ouais. Ça arrive, ouais. Et donc, on va aller faire les bombes qui, donc, bah, comme j'ai dit, ça explose. Voilà. Que voulez-vous de plus? Ça fait des dégâts. Pas beaucoup en vrai, ça en fait beaucoup à Link au début du jeu, mais plus loin c'est pas très intéressant en termes de dommages. Mais par contre, ça génère une poussée, et là on va le voir spécialement dans cette run, la gestion du mouvement est importante. Ça Mon va avis, j'ai permettre beaucoup de drops de parce qu'il y a beaucoup créer de un. choses connectées chez moi. Vu que j'ai pas une très bonne connexion. Mais pendant le practice, ça tenait très bien, hein. Oui, mais les Je sais gens se pas pourquoi connectent ça chez moi. drop là. Ah là là!
Bon, là, ça a l'air de tenir. Désolé encore pour les drops, je rappelle, j'ai une Alors, connexion du en carton coup... et ça va redropper. En Du espérant coup, que ça là, se tu dois être en train de stabilise. faire les... On va abuser notamment de... Enfin, tu vas abuser de l'air d'explosion de la bombe, hein, qui explose, qui va te permettre de résoudre une énigme un peu large. Où on est censé normalement utiliser un espèce de piston qui pousse la bombe sur la zone à exploser. Mais là, on va la faire exploser en bas et puis c'est suffisant. Hop. Faut que j'arrête de commenter la frame puisque c'est moi, c'est. Oh. C'est bien joué de passer avec un shield jump. Sauf que j'ai un peu abîmé de bouclier. Et ça, c'est pas une bonne Ah chose. zut. Ah bon, ça va pas avoir trop. Trop d'impact. Oui, parce que c'est surtout la. Enfin, les boucliers ont une gestion d'usure qui est un peu cryptique, qu'on peut comprendre après un certain nombre d'heures de jeu, mais qui est vraiment pas intuitif parce qu'on n'a pas une jauge de résistance du bouclier. Pourtant, elle existe. Hein. On se rend bien vite compte qu'elle est là, mais on la voit pas. Et donc, bah, typiquement, le fait de surfer au moment où on atterrit sur le bouclier, ça consomme pas mal d'endurance du bouclier. Mais par contre, l'action de surfer a posteriori, ça va dépendre de sur quoi on surfe. Et notamment, je crois que la neige, par exemple, Ouais, elle ça peut consomme aussi. quasiment rien. Ah, merci pour le good luck. Bien joué d'ailleurs pour le Glod sur Magnesis, je viens de voir. Ouais, je crois que c'est un fake. Je ne suis pas sûr. Ah. Mais c'est pas grave. Parce que seul le temps C'est à un la beau fin split. compte. Alors que maintenant c'est le premier moment de la run où on serre un peu les fesses. Non! Il s'agit de. Il y a une gestion du froid dans le jeu, et si vous êtes dans une zone trop froide, ben vous allez prendre des dégâts toutes les 10 secondes, vous prenez un demi-cœur. Et quand on a 3 cœurs, un demi-cœur ça fait beaucoup. Normalement on est censé trouver un moyen de se réchauffer. Et plusieurs Ouais, merci portales. Ama. Oui. D'ailleurs, c'est vraiment Il toutes y a les 10 plusieurs secondes. solutions pour se réchauffer. Je crois que c'est les 10 secondes, ouais. Alors moi, je ne sais pas, tu sais, j'ai tellement l'habitude de le faire en boucle que... Voilà. Ouais. C'est Mais un du coup, avantage des ben, pour aller au speedrunners, ça. sanctuaire qui est tout là-haut, pour aller au sanctuaire qui est tout là-haut, eh bien, on n'est pas très large. Hein. On va avoir quoi, un petit demi-cœur d'avance sur 3 cœurs? Ça fait pas beaucoup. J'ai vu que t'as pris le surf assez loin, ce qui permet d'avoir un peu plus de marge. Hein. Un peu plus long, mais au moins tu passes moins de temps dans le froid et du coup. Non mais je le prends toujours loin parce que c'est plus safe. Mais l'autre fait gagner 10 D'accord. secondes. Bon, du coup là tu as fait un shield jump chez moi, mais chez vous il est passé depuis un petit moment, je pense, au moment où vous le verrez. Et la grosse escalade bien bien tendaxe. Là tu dois être en plein dedans, je pense. Exactement. Donc le truc c'est qu'on n'a pas du tout assez d'endurance pour escalader ça, donc il faut relâcher et faire du. Bon alors on n'est pas obligé de faire du whistle run, là on en profite pas, ça va plus vite, mais. Si t'es quand même obligé pour l'escalade. Parce que sinon tu n'arrêtes pas de t'accrocher en Disons que. fait. Ouais, mais t'as un petit Oula, temps oula, là, là, de là, là. flottement. Oh, j'ai eu un peu peur. De ce qui s'est passé. C'est bon, c'est passé? Oui, c'est passé. Ah d'ailleurs, celui de T-Rex. Merci pour Ah oui, le je good vois luck. pourquoi t'as eu peur. Je vois pourquoi t'as eu peur. Bon, après, à partir du moment où on a ouvert le sanctuaire, c'est un peu plus safe parce que le timer est reset. Donc on a de nouveau 10 secondes, mais 10 secondes pour avancer, appuyer sur A, en principe, ça va. Et donc, Cryolis, qui nous permet de créer des blocs de glace. Mais en soi, justement, les mécaniques du jeu, genre tous ces pouvoirs, c'est extrêmement bien pensé dans la physique du jeu, je trouve. Parce qu'ils ont vraiment tous Ouais, leur c'est utilité, très. il n'y a aucun pouvoir qui est inutile.
Même si je dirais le moins utilisé, ça reste comme le magnésis. Parmi tous. Ah bon? Moi, c'est ce cri. Alors, ça dépend si tu parles en casu ou en speedrun, mais En en casu, casu, moi, casu, c'est casu. casu, c'est Cryonis que j'ai moins utilisé de très très loin. Quoi que c'est vrai, Cryonis aussi. Après 100 heures de jeu, je me suis souvenu que ce sort existait. À peu près. Ouh, j'ai chaud. Et donc, bon, là, il y a plein de façons de passer ce sanctuaire. Je sais pas laquelle tu vas faire, je Je fais pense. la classique. Ouais, tu vas sur la. C'est pas que Sur la safe, tu fais le j'ai tour. déjà réussi plusieurs fois à la strat avancée, mais vraiment dur à faire. Alors là, on a vu. Enfin, bon, C'est moi, je viens de voir, vous, calculé. ça s'est passé C'est un petit moment. calculé. Oui, non, mais c'est surtout, c'est bien parce que tu permets d'illustrer une mécanique du jeu qui va être importante par la suite. C'est qu'au début du jeu, le jeu est gentil. Vraiment. Il y a des gens qui ont décrit ça comme le Dark Souls des Zelda ou que sais-je, mais le jeu est vraiment gentil. Dans la mesure où plein de coups qui devraient vous tuer en une fois, eh bien, ne le font pas. Et à la place, il vous laisse avec un quart de cœur. Et en speedrun, c'est très pratique. Parce que du coup, on peut se prendre des monstres coups tout en survivant. Et vous allez voir que ça va être son utilité. Mais chez moi, le stream est un diapositive. Hein, je ne sais pas. Alors vous me dites si je drop, hein, Et j'ai pas toi? des frames sous les yeux. Je devrais peut-être refresh. Ah, ça vient de se refresh chez moi. Mais c'est un. J'espère que tu fais un local record parce que t'as une belle run. Hein. Pour moi là c'est une attente normale. Chérico qui nous demande ce que c'est qu'un any percent. En fait, ça veut dire que c'est le. C'est simplement aller le plus rapidement possible à la fin du jeu, sans aucune contrainte. Alors dès que j'ai un petit moment, j'ai essayé encore de résoudre les problèmes. Parce que c'est chiant à force. Alors, sur la slide suivante, s'il vous plaît. Sur la slide suivante, vous pouvez voir que Link est toujours en train de foncer par ailleurs le quatrième temple, celui de Cryonis. Là j'ai au quatrième, c'est Stasis. Ouf. Oui, pardon, Stasis, qui s'appelle Cinetis en français. C'est l'inverse. Mais d'un autre côté, on utilise à la fois l'aspect arrêter le mouvement et le créer. Donc, c'est intéressant, comme le soulignait Bafan dans le GDQ, c'est intéressant, ça change, c'est deux visions d'une même pièce. Donc, bon, là, t'as préféré manger des champis pour assurer la fin. Ah, Je ça pense devrait que être là, c'était mieux en termes de nécessaire, lag. mais Oui. ça va un peu mieux, ouais. Ouais, ça va un peu mieux. Non, parce qu'il y a des appareils qui se connectent, déconnectent, donc à chaque fois ça. Ça change. Voilà, donc ça pompe du réseau. Sachant que pour ceux qui se demandent avec combien je stream, en général, quand ça tourne bien, j'ai pas trop de soucis, j'ai un petit 480p. Avec du 0,6 mégabits en up. De la DSL, quoi. La fibre, ça me manque! Je comprends. Je compatis. Ça fait quelques temps que je suis dedans et je suis. Le jour où je déménage, je vais la sentir passer. Ah oui, crois-moi. Donc là aussi pour ce temple, enfin ce pour Trial. ce sanctuaire, il y a quelques stratégies possibles, surtout sur la fin. Je sais pas laquelle tu vas préférer faire. Le style jump. Shield jump, d'accord. Parce que la dernière bouboule, on peut choisir ou non de la passer. C'est pas excessivement dur de faire le shield jump, mais si on le rate, c'est une grosse perte de temps. Tu te fais peur. Ouais, tu vas voir ça. Ah Franchement, oui, c'était pas assez loin. près. T'es passé assez près de la boule, oui. On peut Ah, le je pense que dire, j'ai eu le marteau. j'ai eu les boules. Excellent. Excellent. Bravo. Ah oui, t'es vraiment pas passé loin. Oula. Ouais. Mais c'est très propre, début de run, là. Ouais. En fait, la vraie partie dure, c'est le début de run, c'est plus facile. C'est à partir du spit en gros du château.
C'est-à-dire À partir de Sanctum. maintenant déjà, on a C'est les après premiers Triforce on a les One. premiers Stasis Jump. Ouais, Stasis On a Launch déjà plutôt. les premiers Stasis Jump qui arrivent. Alors le principe d'un Stasis Jump, donc Stasis permet d'arrêter des objets. Si vous les frappez, vous emmagasinez de la force cinétique, et ben on va. Et puis il se trouve que si jamais vous avez accroché un objet avant qu'il démarre, ben, le jeu ne va pas vous éjecter parce que la physique c'est rigolo. Vous allez voir, on va faire quelques petits abus du moteur physique qui permettent des déplacements assez rigolos. Mais d'abord le vieux. Weird Ricky. Peace, ouais. Peut-être. Sans les amiibo, j'en doute un peu, mais. Ah oui, dans ce cas, en fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec les amiibo? On utilise les amiibo en demi-percent pour obtenir des poissons, en fait. Des poissons, les carpes lames ou des doras de lame qui vont te permettre justement de créer cette fameuse potion plus rapidement. Ainsi. Qu'un cheval. Et donc, bah, du coup, comme on est sans amiibo, il va falloir trouver Oh, une alternative. nevermind. J'ai foiré mon trick, c'est pas grave. Je vais faire un petit Ah, time dommage. save. J'étais chaud pour le faire, mais au final j'ai été trop vite. Et du coup, je me suis Alors, par contre, confondu là. il y a eu juste un truc qu'on a vu. Là, c'était pas un drop. Le jeu, des fois, il a freeze. C'est Oui, normal. là c'est Il normal. s'arrête pour load. Vous l'avez probablement pas vu en. Ah oui, je vois l'erreur que t'as fait. Oui, j'ai oublié de faire exploser la bombe. Sachant que je Vous l'avez peux tuer probablement. ma run dessus, hein, si j'étais en vrai attente, grosse Ouais, grosse t'as vu. attente sérieuse. Ouais. Parce que tu te prends un coup et après tu retrouves pas la vie. Non, non. Aussi, un petit Oui, truc marrant, c'est qu'on enfin. a des fast loads. Des chargements rapides. On ne sait pas si c'est rapide ou lent. Ah bah là, c'est un. Non, c'est un lent. Et tu passes pas par l'échelle là. Non, tu peux soit passer par le côté gauche, soit l'échelle. Mais vu que mon rocher était positionné pour le Stasis Launch, ben non. Ok. Et donc là, pour pouvoir faire le premier Stasis Launch, donc avec des arbres, des rochers, tout ça, comme vous allez le voir, il va falloir que je remette, on va dire, la position de Link à 0. Là, il est à 1. Et pour pouvoir permettre à Link de se lancer, on va faire ce qu'on appelle un ragdoll, c'est-à-dire que on va faire tomber Link. Parce que la position de Link à 1, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il est Bah mal orienté, c'est... ouais, plus ou moins. En gros, il va pas avoir le launch. Il va pas s'envoler, il va D'accord. juste prendre les dégâts et puis il va tomber. Je cherchais une similarité avec un autre jeu Zelda, mais je sais pas. En fait, c'est comme peut-être l'état de storage dans The Waker ou l'état de non-storage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Bien. Alors, ce Stasis Launch, même principe, hein, on emmagasine de la force cinétique. Et alors, en fait, là, on va faire un damage boost avec. Enfin, je dis à chaque fois on, mais c'est Zelki hein, qui joue. Par contre, non, ne me veux pas, mais je te muterai juste le temps de faire le stasis. D'accord, Ou je bah, ne sais pas. je dis rien, tu me dis Parce quand que c'est bon. c'est juste histoire de pouvoir me concentrer en fait. Parce que c'est un timing précis. Mais T'as vas-y, réussi ton tu peux premier. finir, tu peux finir ta phrase du Bah, t'as coup. réussi ton premier Stasis Launch, déjà, c'est vachement bien. Donc, on voit il n'y a plus qu'un quart de cœur, donc maintenant il va falloir regagner de la vie avant de pouvoir en refaire, parce que par contre, si on en fait avec un quart de cœur, c'est mort. Donc, on peut soit regagner sa vie en mangeant des herbes, soit en mourant. Mais mourir, c'est quand même un peu plus long et il faut qu'on ait une sauvegarde au bon endroit. Alors là, Dis-moi juste quand tu mutes comme ouais, ça, j'arrête de parler dans le vide. bah voilà, maintenant. Donc là, on va poser la bombe, on va faire une petite save au cas où, si jamais je rate, hein, parce que c'est pas facile à faire. Et du coup, just cut. Et vous voyez qu'on a chargé l'arbre en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas passé, c'est pas grave. On reload et en plus ça enlèvera le squelette. Oui aussi, il faut que le gros rocher accumule des coups.
Du coup. Et la bombe va en fait juste servir à mettre l'angle en gros. C'est ça. Bon, j'ai raté, c'est pas grave. Qu'à l'extrême urgence, je prendrai la route plus ou moins safe. Même si je déteste prendre les chevaux dans ce jeu. Qui a une attitude assez détestable, à mon goût. Allez, c'est parti pour le deuxième try. À savoir que là, par contre, j'ai plus le squelette, donc c'est moins chiant. Ah, j'ai ma chaîne qui rêve. Ça Point, risque de faire un peu 4, beaucoup de 5, dégâts. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, réussi. Avec un bon angle. En fait, je compte pour avoir Bien le joué. timing. On va entamer le deuxième. On en profite pour se remettre de la vie. Hop. Parce qu'on en fait trois, voilà. Ah oui, bien Voire joué, il est même made ball 4. le deuxième. Et salut à toi, Snowy. Oui, 4 en comptant la plaque. Allez, bien joué le deuxième. C'était propre. Allez, on va faire le deuxième, plutôt le troisième. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh, raté, dommage. C'est pas grave, je peux aller à pied. Un bel optimisme. Oui. Mais bon, en fait, je pouvais soit prendre la route ultra safe avec les chevaux, soit faire ça, mais je me suis dit, au final, faire ça, c'est peut-être plus impressionnant et plus sympa à regarder que simplement prendre le cheval. C'est vrai que c'est spectaculaire, en tout cas. De toute façon, je t'en parlais tout à l'heure, moi, les tricks qui me séduisent dans une run, non, ils m'en font pas beaucoup pour me dire, ah, ça a l'air trop bien, je vais runner le jeu. C'est pour ça que j'en fais un peu trop de jeu. Hop, allez, troisième, et normalement là ça va être fait exprès. Je vais faire une save. Puisque vous allez voir, prédiction, hein, tout ça. Hop, je vais me mettre là, il va y avoir un squelette. Ou pas. Ah non, c'est vrai que j'ai éloigné. My bad. Parce qu'en fait, si j'en foire aucun, ce qui m'arrive des fois, hein, il y a toujours un squelette qui apparaît là, si je suis à nu. 5, 6, 7, Un 8, 1, skate. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, dommage. On va faire une save, on va reload. Sauf que là, il vaut en fait mieux mourir que retenter. Que recharger, puisque si on Parce que recharge une sinon tu... save, on revient à l'état où on était avant. C'est-à-dire que s'il ne reste plus qu'un cœur ou un demi-cœur, et ben on reviendra à un demi-cœur au lieu de De toute revenir façon, on full doit life. mourir après. Non. Non, je ne dois pas mourir, frère. Non mais si tu avais rechargé, t'aurais dû mourir. Ah oui, voilà, oui. Ce qui est une perte de temps relativement conséquente en plus. Ouais, c'est une erreur assez coûteuse. En fait, je compte le nombre de bips. Voilà. Ça fait 4 lents au début, ensuite 8 moyens, ensuite rapide. 8 rapides. C'est ça que je compte. Enfin, tu sautes au huitième Non. des Attends. rapides. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai réussi. Non, c'est au Bien joué. 7ème. Oui, c'est au septième. Parce que ça part au huitième. Alors non, en fait, pour être extrêmement exact, suivant le tri-launch qu'on fait en autre dungeon, c'est des timings différents, certains. On va, bah là en 1%, dans le cas du 1%, c'est un petit peu après le 7ème bip rapide. Voilà, pour donner une idée, on refait une save pareil. Ça évite de perdre beaucoup de temps. Mais du coup, comment tu vas faire pour aller depuis On pose la... une Oui, bombe. alors du coup, je sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire dans le château. Je suis assez curieux. Je vais pas vraiment découvrir parce que j'ai l'idée globale, mais je sais pas qu'est-ce que tu vas faire précisément. Parce que bah, une fois qu'on est dans le château d'Hyrule, on va devoir s'armer. De Exactement. patience, mais aussi de tout un stuff monstrueux.
Nice. Voilà, on est au château déjà. J'ai perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Alors du coup, tu vas où dans le château? Bah tout d'abord, on va avoir quelque chose un peu avec de la luck et tout, qui s'appelle avoir une banane lame. Parce que je rappelle qu'on doit fabriquer une potion plus 3. Hop, je split là, moi. Je perds même un peu de temps, mais c'est très factice. En espérant... Ouh, 5 flèches explosives, ça va être très utile. Allez, allez, ouh, yes, une banane. Ça, c'est cool. Alors là, je peux pas commenter en live, donc je te fais confiance. Et on va se diriger vers la salle à manger. Parce que cette Ah, banane mais est fais-toi une extrêmement bonne banane, c'est importante. cool. Pour avoir une potion plus 3 en attaque et pas plus 2 justement. C'est ça, on va devoir... On va devoir se donner des petits coups de pouce pour pouvoir finir le boss parce que même si on a des armes de fin de jeu, normalement quand on arrive là après moult heures de jeu, le jeu a commencé à nous donner des bonus naturels qui sont des bonus d'attaque, des doubles bonus d'attaque. Si bien qu'on peut avoir des armes à 130 ou des trucs comme ça, mais là à la place on a des armes à 40 de dégâts, donc il va falloir se donner un petit coup de pouce avec des boosts d'attaque. Et puis de toute façon on est en speedrun, le but c'est de faire des dégâts. Alors j'ai pas trop de chance et que... L'IA. J'espère que je vais pas devoir l'affronter Ah oui. de manière normale. L'heure avec une bombe peut-être. Là c'est très débile puisqu'on a juste à se mettre derrière lui. Et on le tue. Ah, bien joué, je suppose. Ah oui, le mob là en bas. Bah, ils ont pas tellement de visibilité ce qui se passe Ouais, dans ils l'air en sont... fait les mobs. Très On clairement, voit pas trop. c'est des aveugles. Par contre, ils sont extrêmement réceptifs au bruit. Alors Oui. non, je ne veux pas de pommes. Bon bah juste ça me Bien fait plein de joué le flèches. viscère de meuble First Try. Ah oui, très important le viscère de Moblin First Try. On n'en parle pas assez. A savoir que vous pouvez même one shot avec un truc qui fait genre 10 de dégâts. Ça c'est x4, bah après ça dépend du nombre de PV qu'a l'ennemi, mais là en l'occurrence c'est des ennemis noirs, sans racisme aucun. Et donc c'est des ennemis qui sont pas Voilà. au ranking maximum. C'est vrai que les blancs ils font plus mal dans le jeu que les noirs, c'est bon. Après il y a les dorés, hein. Oui. Dorés qui ont été Apollo, rajoutés dans nous le sommes mode ouverts à master. toutes les cultures et toutes les personnes. Voilà, que vous soyez C'est Ilien, ça. Zora ou Goron. Là, hop. Ah, Elia, on a oublié de préciser, Elia est extrêmement débile en fait. Bah, pas vraiment en fait, elle est manipulable, mais elle est prévue Mais jamais à pour dire que c'est réagir à débile. certaines choses. Donc on va récupérer le brise-roc qui a été envoyé là. Et on va se... Non, c'est bon. C'est vrai qu'il vient de voir son pote mourir, il a pas réagi, c'est. On prend le scarabée, les deux bananes, le viscère et puis le champignon d'âme qu'on a ramassé dans la salle. On va pouvoir avoir cette fameuse potion. Et c'est une 6 minutes 30, ce qui m'est largement suffisant. Et moi je prends toujours un petit truc de viande, on sait jamais. On va pouvoir se diriger vers la fin du jeu. Oui. Ce n'est pas une blague. Parce qu'elle est ouverte dès le début. Ouais, une 6 minutes 30. Bon, ça Sachant qu'on peut avoir 15 minutes. 11 minutes, qu'est-ce que je dis? c'est Non, parti pour non! le boss rush dans l'instant. Ah non, pas tout. Faut y aller d'abord. Ah oui, c'est vrai que parce que là, normalement, enfin, non, mais normalement,
avec la run Amiibo, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bloc métallique et puis on fait encore un Oui, mais c'est du Stanislaw. Cheat. C'est les Amiibo. Oula. Ah oui, je comprends pourquoi t'as stressé. Trois flèches archéoniques et les flèches archéoniques, ça déboîte tout. Oui, ça fait très mal. Surtout au gardien, mais bon, par extension à... Bah on va le voir avec le prochain Inel qui va se pointer, hein. On va pouvoir confirmer ça. Ah, tu vas les utiliser sur un gardien ? Non, sur le Linel. Tu sais, t'as un premier Linel ah, qui... Ah, le Linel. Ah, tu fais les Linel en... D'accord. Ouais. Bah, tu vas le voir, là. Les Linel qui sont donc un peu les espèces de vrais boss du jeu, hein. Enfin bon, le boss final est quand même assez... Voilà, assez au revoir, Linel. Les Linel, ils sont prévus pour être un peu les ennemis auxquels on a peur dans le jeu et... On va pas les affronter avant d'avoir une certaine confiance en soi. La première fois, on se fait assez laminer parce qu'ils sont très agressifs et ils ont des patterns assez variés. Je pourrais renseigner un peu plus là-dessus, ah oui, mais j'ai peur de spoil, en fait. Donc, je vais rien dire. Genre... C'est dans la partie Zora, ouais. C'est tout ce que vous saurez, le premier Inel que vous verrez. Voilà, c'est voilà. Des ennemis qui sont très forts. Sauf contre les flèches archéoniques avec un arc... Non, c'est un arc de base. De garde royale. T'as utilisé quoi comme arc? Un arc de base. Arc de soldat, 14. Soldat royal. Ah ouais. T'as... Ouais, mais c'est l'Inel bleu que t'as one-shot. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, il est quand même pas... Donc on récupère la longue épée de vertu. Ouf, j'ai réussi à avoir. Ah, du coup, ah. Tu vas faire un tour chez Zeldo. Oui, chez Zeldo, exactement. Parce que je vois, tu connais bien un arc. Ah ouais, j'ai passé un long moment dans ce... Et là, vous allez voir la meilleure montée au monde. Ouais, qui c'est fait absolument peur. On en profite pour ce stuff, hop, tac. Et puis pour au passage, moi, on a la musique à cet endroit-là. Qui est totalement génialissime. Toutes les musiques sont bonnes dans ce jeu. Et franchement, je dirais que c'est un avantage qu'il n'y en a pas autant. De... Ouais. Ce final... Oui, elles sont utilisées avec parcimonie, mais la musique du château d'Hyrule, elle est tellement fabuleuse. C'est vrai. Ah ouais, bien joué la montée. Bon, pour l'instant, pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis un mois, je dirais que ma run est plutôt propre, hein. Personnellement. Oui, j'avoue, c'est plutôt bien. Hop. Voilà. Et on arrive devant les Blights, ce sont des ennemis, je n'en dirai pas plus, hein, parce qu'on voilà, hein, on va pas spoil. Mais ce sont des Blights, c'est des boss, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Des boss, où ils sont, je vais pas dire. Ouais, disons qu'on est censé les... Ouais, là on est quand même un peu obligé de pas méga spoiler, mais... disons que c'est des boss importants, de toute façon, là vous allez voir le boss de fin, donc si vous voulez pas vous spoiler... Enfin, je vais pas vous dire de partir, c'est le baguetton, c'est cool d'être là, mais fermez, cachez l'onglet. Ouais, mettez en pause, allez vous prendre un verre d'eau ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est des boss que si vous avez fait le jeu, alors pas normalement, parce que comme on a dit plus tôt, il n'y a pas de façon normale de faire le jeu, mais si vous avez fait le jeu de façon dite conventionnelle, en tout cas, vous avez probablement vu ces boss dans un tout autre contexte, mais si vous les avez pas affrontés, eh bien, vous avez droit à un boss rush ici. Donc là, on a affronté l'ombre de vent. Donc toutes les ombres, leur première phase est assez basique. En général, ils se téléportent dans la pièce, puis à partir de la deuxième phase, elles acquièrent un pattern qui leur sont propres. Donc l'ombre de vent, elle a droit à des petits satellites qui nous embêtent. Coucou Majora. Mais ça reste franchement une des plus simples. Je vais pas dire ça. C'est quand vraiment il se passe des trucs. Alors là, j'ai failli faire le sac, hein. Voilà. Ouf. Voilà. Je dirais que ça. On va prendre. Ah oui, effectivement. Oula. T'as eu chaud. Ok. Tu m'avais peur. Et donc, l'ombre d'eau,
L'ombre d'eau, bien pareil, hein, la première phase est assez basique. Nous affrontons, elle nous tape dessus, mais à partir de la deuxième, elle va se retourner et tirer des lasers. Il y a tout un système dans le jeu de pari avec le bouclier, donc pari en anglais, hein, en français parade, qui consiste eh bien, tout simplement à appuyer sur A en, tout en parant au moment précis où une attaque vous arrive dans la figure. Si c'est une attaque au corps à corps, ça va déstabiliser l'adversaire, mais si c'est une attaque à distance, ça va carrément renvoyer l'attaque. Et c'est une mécanique. Bon, alors en principe, quand vous arrivez là dans le jeu, vous l'avez déjà apprise à la dure, donc il n'y a pas trop de soucis à vous faire. C'est pas non plus censé être un mur, mais si vous êtes allé taper Ganon et en supposant que vous ayez fait, vous êtes tenu bon face aux ombres, bah, vous pouvez pas battre Ganon si vous n'avez pas si vous n'avez pas acquis cette mécanique, tout simplement. Vous verrez un peu plus tard. Donc voilà, l'ombre d'eau s'est retournée. Il nous fait des monstres coups avec sa lance. Très vaste. Alors que le slide suivant, s'il vous plaît. Ah non, ça rebug, sérieux. Ah non. Chez moi, c'est un PowerPoint. Après, c'est peut-être que chez moi. J'espère que c'est que chez moi. Ah non, c'est pas que chez toi. J'en doute très fortement. Et bien joué pour l'ombre d'eau. Alors là, sur cette slide, on vous a prévu une petite animation. On va voir l'ombre de feu de Ganon. Donc l'ombre de feu qui commence à devenir un peu plus serious business. Parce qu'avec sa grosse hache, elle est capable, dans sa deuxième phase, de créer un bouclier immortel. Et on est obligé... Alors ça commence à être à mi-chemin entre le combat et l'énigme. Parce qu'il faut trouver le moyen de casser son bouclier. Et en l'occurrence, eh bien, elle charge des super attaques et qui charge avec aspiration, vous connaissez Dodongo, c'est la même idée, on lui balance une bombe dans la figure. Slide suivante, s'il vous plaît. Je joue un peu en mode safe. D'accord. Quand même. Ah, je perçois que tu as ouvert ton menu. Comme je disais, si jamais tu fais un PB, j'espère que tu as un local record. Non. Bon, c'est dommage. C'est pas grave. Non, parce que là, c'est plutôt une belle run hein, que t'as fait, franchement. Ça va, c'est pas le plus dur. Oui. Le voilà, plus dur, ça reste le boss final. Qui est vraiment très dur pour l'occasion. Un joli bouclier et une jolie bombe. J'aime ma connexion. Ah là, ça a l'air d'être revenu stable. J'ai rien dit. C'est entre deux. Non, ça va, c'est mieux qu'avant. Quelques drops, mais c'est mieux. Ok. Donc, faut refaire ça. Bon, du coup, là, juste. Je rendrai juste. Le silence, juste pour que je focus ça. Parce que c'est la plus dure, je trouve, des blights. Tu me dis quand c'est bon. Ouais. Ok. Première phase, c'est bon. Ouais, l'onde de foudre qui est très loin la plus dure. Ouais, de très très loin. J'ai galéré pour apprendre. Bon, allez, deuxième phase, easy. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment une énigme la deuxième phase de l'onde de foudre. Parce qu'elle est immortelle tant que vous trouvez pas le truc.
Ok, nice. Bien joué. Et là, on passe sur le fight final. Donc cacher, arrêter de regarder, ouais, tout ça. Oh, là, c'est déjà trop tard. Hein. Les spoils, là, vous entendez déjà... Mais bon, effectivement, là, on va vraiment loin dans le spoil. En tout cas, dans le spoil de gameplay. Voilà, c'est le Giant Spider. Avec des mains et... Ouais, c'est une calamité. C'est un fléau. Donc voilà, on a pu voir le Witch Time, là. Alors là, quand tu sors... Pareil pour le fight. 2 secondes, douce. Ouais, ça marche. Non ! Apparemment, ça s'est pas bien passé. Ah. Bon, et ben on est reparti pour faire les blights. Ouais. Ah mince. Non. Oui, parce que là le jeu il est plus gentil hein. À ce stade. C'est un fight très dur, franchement. Ouais, mais surtout la mécanique qu'on avait vu un peu plus tôt des on te tue pas parce que tu viens de faire un truc qui aurait dû te tuer, mais on te laisse à un quart de cœur. Là, elle n'existe plus, hein. C'est le boss final. C'est pas grave. Vous êtes venu là, faut assumer. Le sub-lunaire est encore possible. Le sub-lunaire est encore possible. C'est bien. On a encore les blades à faire, mais bon, c'est pas... Franchement, une fois qu'on les a fait, ça. The Arm Race qui apparemment n'a pas compris le concept des panic baskets. Ah, alors ça, le panic basket, c'est quand il y a une coupure de stream. C'est ça, c'est pas la même chose. Zon, tant que je reste dans mon estimate, tout me va. Hein. Donc voilà, vous voulez pouvoir revoir cette belle mécanique. Alors là, je me disais aussi qu'il y avait un truc qui manquait. J'ai pas mis l'élixir. Ah oui. Ça tape un peu moins fort d'un coup. Ah oh, bonjour Elixir. Bonjour les dégâts. C'est pas grave, le petit Fane. What? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas relâché le bouton. Je sais pas, c'est pas encore sur mon écran. Donc c'est super bizarre. Genre, il y a Link a tiré instant. Voilà. Là, peut-être que je vais réussir le double hit, ça serait très bien. Ça c'est très moche ce qui vient de se passer. Merci le jeu encore une fois. Oui, parce que c'est jamais ma faute, hein. On retient ça. Toujours la faute au jeu. C'est jamais la faute du runner. Ah bah oui. C'est la base. Oh. Mais il t'a quand même laissé un quart de cœur, donc ce que j'ai dit juste avant, je sais pas trop. Il y a des fois ça le fait, des fois... Non, en fait, c'est vrai, tu ne peux pas mourir, en fait, quand tu as tes 3 cœurs. Le jeu ne peut pas te faire mourir en un coup, à part des ennemis vraiment spéciaux. Mais c'est comme tout. Ganondorf, par exemple. Voilà. Ganon. Pas Ganondorf. Ganon, pardon, oui, c'est pas Ganondorf. Bon, c'est la même chose, hein. Après, l'ombre d'eau a l'air de plutôt bien se passer. Oh, j'ai foutu un headshot à la fin. Bien joué.
Ah oui. La viande dure plus longtemps avec Ganon. Tout à fait. On voit bien l'abus de. Enfin, pas l'abus, mais l'utilisation de cette mécanique de charger le coup avec le. Avec. Avec une Ah. arme lourde. Y a pas de carotte vigueur sur le chemin Alors j'aimerais bien que tu fasses attaque vers le haut, hein, ça serait très sympathique. Ah voilà. Y a pas du tout de carotte vigueur sur le chemin de l'Aniversin? Non. D'accord, dommage. Voilà. L'homme dure plus longtemps avec Ganon. Ne refais plus jamais ça. C'était ma candidature pour être annonceur de pub. Merci, on vous rappellera. Peut-être. Ça me pardonne pas, hein. La perte sèche de quoi? Bien 5 minutes de mourir sur un galop? Ouais. Ah, troll. À n'importe quel moment du combat, en fait, la sauvegarde elle est au début du combat. Voilà. Ah oui, à noter que dans la version française, ils disent bien Ganon et pas ils disent Ganon et pas Ganon. Oui, c'est ça. Ouais, les concentrations maintenant. Même pour les Gerudo, ils ont dû dire Gerudo. Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. Ah ma. Squalala! Nous sommes partis! Corde à lui! Corde à lui! Non, pas lui, corde, bon! Tout ce que tu désires, mon garçon. Je crois que c'est un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Je sais plus. Ah, c'est une grosse arnaque si on arrive. Ah oui, ah oui, tu t'es fait eu. Ah là, et les blights, je finis avec un combat speed à plus 9 minutes. Pour les blights. Quand je dis qu'on perd vraiment beaucoup de temps sur ce. Et donc voilà, il s'est arrivé assez. Ouais. First try. Non, mais il va être mort. Ah, vraiment. Vous voyez, ça pardonne pas, hein, ce combat. Un dommage. Ce qui est très Aïe dur, c'est qu'on n'a pas de save. aïe Allez, allez chercher quelques trucs. Tant mieux, il s'éloigne en plus. C'est franchement le fight le plus dur du jeu. ah c'est sûr. Bon après Mais non, mais c'est dégueulasse. Je suis encore t'es mort. mort? Oh là C'est là. injuste ce fight. Même quand je jouais beaucoup au jeu, ça m'arrivait de mourir 3-4 fois d'affilée dessus. Parce que pas de chance. Pas de chance ou une mauvaise manipulation ou des En trucs comme ça. casu, tu dis? Non, mais même en Ah oui, j'aime run. voir la mort.
Quand j'étais beaucoup plus actif Ah sur le oui. jeu, c'était très dur. Ce but-là ne sera pas fait, mais vous inquiétez pas. On va finir le jeu. Alors oui, mais Allez. en 1%, c'est extrêmement dur comme boss. Et pourtant, hier encore, j'ai fait 3-4 fois first try. Aujourd'hui, j'ai fait une ou deux fois first try, mais après. C'est quoi le plus dur, Majora's Any% ou Ganon? La question est dure là. Ah, difficile, hein? Allez, on y croit. Là. Jamais 203. Et la troisième sera la bonne. On dit jamais 203, mais on dit pas jamais 403. Mais j'ai pas dit 403. Jamais 302. Oh, mais oh, je sais plus, Ah! bref. 304, Ah! voilà. Non mais franchement, 1%, c'est vraiment dur. Contrairement au dungeon là où on a Oui. beaucoup d'aide, l'1% est vraiment dur. Je crois que j'ai passé plus. Bah rien que pour Eblade, j'ai dû passer, je crois. Sans déconner, je crois que j'ai fait un stream entier à faire 10 heures d'affilée que de Blight. Problème qu'on peut retrouver l'archive. J'espère Non-st. que ce run ne durera pas 10 heures. Non, non, t'inquiète pas. Allez, j'y crois, c'est la bonne. J'ai foi en toi, je crois en l'âme des cartes. Ah, très bien. Continue. Oh, nice, double hit. Alors ça, c'est dans les situations injustes, genre ce qui vient d'arriver. Je te laisse ça dans les situations injustes. Mais genre, Faut vraiment... que je voie. Vraiment injuste. C'est... Ah oui, pas sympa. Voilà. T'avais encore oublié de prendre le... Non, non, tu l'avais pris. Non, j'ai pas oublié. Quand je dis que la run est vraiment facile, il y a juste cette partie-là qui est vraiment dure à faire. Ah, et ça, c'est pas censé arriver. En fait, ils iraient toujours aux mêmes endroits, ça c'est bon à savoir par contre. Oui, j'ai oublié qu'il nous balance. J'ai oublié cette mécanique qui nous balance des blocs de glace et on doit les casser Oui. avec Krianis. Je crois en l'âme des cartes, je crois aussi en l'âme de Pascal, en l'âme de Galilée et en l'âme. En l'âme de Copernic, vous avez compris la blague. Bon, faut dire stop. Stop. D'accord. Ça pique un peu plus avec le. Avec la potion quand même. Hein. On voit la diff. De quoi, pour Passage, le c'est boss de fin? possible. En casu et puis en speedrun? J'ai pas Ouais, suivi l'autre. pour les ombres, on voit la différence de la vitesse du boss qui descend vraiment beaucoup plus vite quand on a la potion, quoi. Ah bah oui. Moi, c'est flagrant. Ah, potion, elle est vraiment vraiment forte. Potion que
Dans le jeu, vous pouvez substituer avec des costumes. Un costume en particulier, quoique. Le dernier coup qui a marché, mais je sais pas comment il a fait. Ah. Alors, pour les gens qui me disent, moi aussi, c'est quand TP, j'ai plus TP. Depuis longtemps. J'ai revendu, Luz. Ah oui, bah oui. Toi aussi, t'as revendu la version GameCube aussi? Mais j'avais que la version GameCube. Attends. Ah, du coup, tu t'es acheté une voiture? Non, une Switch. Ah ouais, je comprends. Non, j'ai arrêté de runner ce jeu. Je plains Snowin qui est là pour TP. Enfin, heureusement qu'il a pas pu faire sa run et qu'il joue quand même à ce jeu. Pauvre Snowin. Il se fait du mal quand même, Snowin. À jouer à TP. Ah bah TP. Je pense que je suis la meilleure personne pour en parler. Avec la sardine. Mais non, mais encore le. Ah là là. Mais deux fois. J'en ai marre. Vas-y, vas-y. Ah, je te laisse deviner. Ah oui aussi, Chopper. Hey Mina, la forme. Bon, allez, là je focus, je ne dis plus rien, focus à fond. Je ne dis plus rien non plus. La tension est palpable. Quoi? J'avais dit que ça s'est mal passé. Le glitch n'a pas marché. Ah oui. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai tout bien fait, j'ai relâché au bon moment et tout. T'as pas besoin de me faire troller. Un peu. Tu veux le retenter encore un coup? Oui, quand même. J'ai envie de finir cette run. Ça marche. Je me sens un peu salty au fond là. Parce que normalement. Je combattis. Je ne sais pas. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est un stun lock. C'est-à-dire, en fait, Ganon il va tourner. Enfin, il va me tirer dessus. J'ai tourné autour de lui avec l'attaque, comme je l'ai fait. Et en ça. Fait, il va être impossible à être stunlock à nouveau. J'ai bien tout compris. Mais en fait, on peut stunlock. Bah, en gros, il va tomber, je vais rattaquer, il va retomber, je vais rattaquer, il va retomber, je vais rattaquer. Comme voilà, ça va. Ça, ouais. J'ai pas que ça a été patché, pas sûr. Je me suis peut-être trompé, mais. Je trouve ça bizarre. Enfin, je run pas le jeu, je vais pas dire de bêtises, mais c'est pas uniquement dans la partie où il a le bouclier que ça marche. Il me semble que si, donc ça doit être une erreur à moi. Au moins, ça vous apprend à faire le fight des Blights. Alors, oui, là, ça, c'est bien, on le connaît bien là. Mais je le redis, c'est un fight extrêmement dur. C'est dommage, j'ai pas une save, je voudrais bien faire essayer à des gens qui ne. Alors disons vraiment, il est basique pour. Juste le combat avec Ganondorf, enfin. Ouais, parce que en fait, quand on arrive là, dans le jeu en général. Donc, c'est juste moi qui me suis trompé de timing.
Oh, un cycle parfait. Non, j'ai dépassé mon estimate. Non. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. L'heure est très grave. On est au milieu de la journée, pourquoi je suis fatigué à faire des lags nuls comme ça, je ne sais pas. Patché aujourd'hui, ouais, c'est ça. Oui, je crois Juste que pour c'est la ça. run. Exactement. Ils enlèvent, ils le dépatchent juste après. Ils ont fait non, Zelkis, faut pas qu'il fasse un subestimate. Oula. C'est interdit. Ok, pour l'ombre d'eau. Quand je dis que c'est facile une fois qu'on connaît le fight. Preuve en est. Oui, au passage, on voit que pas mal de ces ennemis ont deux hitbox en fait. Alors, ils n'en ont qu'une seule, mais qu'on peut toucher à deux endroits différents en tournoyant sur nous-mêmes, Stop en se plaçant that! bien. Ah. Oui, il a pas l'air de vouloir ne pas Non, je ne peux pas attaquer. save. Je ne peux pas subestimer. Non, la save, elle est La mort à juste 3 bien au frames. loin. Ça, c'est moche alors. Mais Demon9, il a fait des très très bons fades dessus aussi. Très marrant, j'ai trouvé à regarder. J'ai évité le pire. Tu me fais peur. Ah oui, d'accord. C'est pas grave. L'explosion qu'il fait quand il cherche son bouclier, elle te one shot à tous les coups Je suppose qu'elle me one shot. J'ai pas envie d'essayer, on va dire. ou... Je comprends. J'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie que t'essayes non plus. Oh. Voilà. Allez, au Yoj. dernier, et on termine cette run. On y croit, les gars. Et les filles, s'il y en a. L'ombre de foudre, on rappelle son deuxième pattern. Enfin, à chaque fois, il faut lui casser son bouclier, sinon elle est capable de se téléporter, de faire des gros dégâts. De toute façon, à ce stade, tous les gros dégâts. Ah, tu es un tel. Espérant que ta run se soit bien passée. Si t'es déjà passé, oui, pour Devil May Cry. Espérant que ça se soit bien passé. Il était passé pour Devil May Cry, ouais. Ah, ben je crois que mon arme s'est cassée. C'est ballot. C'est dommage. Il y avait tellement encore à faire avec. Sauf que là, je sens que je vais me faire troller puissance mid. Non, c'est bon, c'est passé. C'était risqué, mais c'est passé. Bien joué. Allez, full Allez, focus. J'y crois. first try. Crois-y comme moi. Levez les bras au ciel pour Zelkis.
Donnez-lui votre courage, votre amour, allez-y. Votre argent. En... aussi, peut-être, si vous voulez. La foule scande ton nom. Ok, ça c'est bon. On la joue safe. On la joue safe. Ah ouais, ce stade, vas-y, joue la safe. Bonjour, je vais récupérer ça, ceci. Oh, tu m'as fait peur. Et ceci. Passe un peu mieux déjà. Presque à la moitié. J'aime bien me faire troller sur la première phase, c'est génial. Bien ouais, deuxième moitié. Allez. T'as plus de boost de dégâts mais normalement. Yes. Donc maintenant on essaie de le stunlock. Ça a l'air de bien se passer. C'est la last form, non, il y a encore un tour après, mais c'est le... C'est un round d'honneur, il n'y a pas vraiment de difficulté dans le dernier tour. Safe, 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 safe. Ah ouais, ouais zut. Normalement une clé mort encore. Et là.
Nice. Yes! Ah oh, putain! Bien joué! Vous pouvez faire un tonnerre de clap dans le chat. Et maintenant j'ai une save. Et maintenant j'ai une save. Ouais, t'as une save et puis bon. Oh, après, après 4 fois. Ah mon dieu. La dernière phase n'est pas excessivement dure non plus. Oui, bon. Elle est débile la dernière phase. Allez, bon, on va terminer. Je vais vous montrer un autre petit glitch. Qui permet de courir à l'infini avec la chose. Vous appuyez sur L, R. Vous essayez de pas mourir. Vous pouvez pas faire le con. En gros, le principe c'est que. On va faire en gros un saut. Bah vas-y. Oh, vas-y, douce. Bah, le principe c'est que dès qu'on remonte sur le cheval, il nous redonne toute notre endurance. Du coup, on va sortir, là c'était raté, on va sortir et rentrer sur le cheval très rapidement. Et résultat, c'est pas fini. Si ça marche bien. Je suis déjà mort à Ganon 3 fois d'affilée. Hein. À la créature. Oui. Ah. Avec des trucs absolument random. Ah, t'es là bien. D'accord. Non. C'est pour ça que c'est très utile le gyroscope sur la Switch. Oh, please. Je joue au gyroscope. Ah ouais? Non, c'était une blague avec Mario Kart, c'est pas grave. Je n'ai pas compris la référence. J'essaie de le montrer un coup de ditch. Écoute, oui. Alors ça doit peut-être pas marcher à cause de l'arc. Ah non, c'est bizarre. Tant pis, c'est pas grave, vous chercherez sur YouTube. Oh, il y a pas mal d'Any Percent où ils le font. Et après, c'est rigolo parce que du coup, le cheval, il a toute sa stamina. Il a fait quoi, Link? Il a tournoyé sur le... Oui, c'est pour ça. Là, ça va être le deuxième coup. En fait, non. C'est vachement timé. Il tire son deuxième coup et ça va le faire direct après. Alors, c'est quand même vachement pété, le time stop. Hein. Oui. Je vais pas dire. Hein. Alors, cheval. Rien à cheval. Vous voyez, une patte qui touche, Link, ça peut finir très mal. Oui, ça arrive pour de vrai. Je sais pas si t'étais là... Non. Okay. Je sais pas si t'étais là, un télo, quand je suis mort, genre, 3 fois de suite. Mais rappelez-vous, combattez avec le... tous vos sentiments. C'est une coulée de lave qu'on voit au long ou... Bon, peu importe. Voilà. Et là, c'est facile. Link, regarde. Sur sa tête. Alors, ce serait bien qu'il y ait du vent. Non, je peux pas vraiment faire le final. Tu peux le faire depuis en bas, mais c'est juste plus chiant. Oui, je peux le faire, mais... Wouh! Oui, je comprends pas. Pas PB! Ah oui, mais je préfère le faire avec le vent, en fait. Bien joué, comme ça. Sachant qu'en Old Dungeon, justement, oui, on utilise l'un des pouvoirs qu'on gagne. No spoil, hein. Pour, voler tout au-dessus, et puis voilà, quoi. Bien wesh! Ah! Ganon First Try, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment une calamité, putain. Allez, ça porte le nom. Hein. Ah. Désolé pour les fails. J'espère quand même avoir pu rendre la run intéressante. Malgré que ça soit du 1% et pas du Old Dungeon. Voilà.
Alors que soudainement, on est dans un Miyazaki. Exactement. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Et ensuite, on va enchaîner avec quoi ? Salut. Salut, ça va ? Bah moi, avec Quake 3. Ah, Quaker. Ouais, ça va, et toi ?